Bienvenue à Point Inc. Mon nom est Christine Beaudoin. C'est moi qui serai votre animatrice pour toute la saison. Point Inc., c'est une nouvelle web télé qui met en vedette les entrepreneurs, les jeunes leaders de la région de Beaudreuil-Soulanges. Et ce soir, on s'est rendu dans un lieu où ils sont tous regroupés, le Bal Osmose. Ils sont tous ici ce soir, qu'on a la chance de les rencontrer. On va aller leur poser des questions, savoir pourquoi ils sont ici, leurs difficultés, leurs grandes réussites et connaître vraiment leur entreprise. Alors, s'en va là, je vous y amène, suivez-moi. Le Bal Osmose pour toi? Pour moi, le Bal Osmose, c'est d'abord un rassemblement de gens qui se ressemblent puis qui veulent s'impliquer dans leur communauté pour créer des échanges puis des partenariats à long terme. Qu'est-ce qui est, selon toi, ton plus grand défi au quotidien? Le développement des affaires. Donc, être ici ce soir, réseauter, etc. Je pense que c'est ça qui est le plus grand défi. C'est la raison pour laquelle tu es venu au Bal Osmose? Exactement. Il y a beaucoup de leaders ici ce soir. C'est un peu ces gens-là qui sont présents. Quel genre de leader t'es, toi? Moi, je suis un leader participatif. Je suis un leader qui aime prendre des décisions avec l'accord des gens. J'aime le consensus de mon équipe. J'aime que les gens autour de moi fassent partie des décisions. Ouais, c'est mon style de leader. Dis-moi, c'est quoi le plus grand défi pour toi en tant qu'entrepreneur après 4 ans? Après 4 ans, c'est le plus grand défi, dans le fond, c'est que les gens font juste parler de nous. C'est sûr qu'on veut se démarquer des autres, puis dans le fond, c'est ça le but, parce qu'il y a tellement de salons dans Vaudreuil-Dorion qu'on veut que le monde sache on est où puis on est qui. Donc, rester sur les lèvres des gens constamment. Tu dirais qu'est ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur? C'est curieux, moi je te dirais, c'est la gestion des émotions. Quand tu es en affaires, tu as toujours des pics ou des downs, c'est d'essayer de garder ses émotions puis pas se laisser emporter par les bons coups, comme pas trop déprimer dans les mauvais coups. Dis-moi, c'est quoi ta plus grande difficulté après 2 ans? La plus grande difficulté? Hein, c'est une super bonne question. Je pense que c'est vraiment de s'adapter aux demandes du milieu, de s'adapter aux concurrents aussi, parce que je suis seule dans mon entreprise. Donc, il faut vraiment bien cibler sa clientèle, ses besoins. Quel genre de leader vous êtes? Je suis un gars d'équipe. Moi, ma gang, c'est ma petite famille, c'est ma gang, puis on essaie de conserver ça. Puis c'est pas évident, parce qu'en business, c'est comme... Il faut que tu aies un juste milieu. Il ne faut pas que tu sois trop proche, il ne faut pas que tu sois trop loin non plus. C'est ce qui est top, c'est de garder la bonne place. La plus grande réussite, c'est d'avoir eu le courage de faire le move pour devenir travailleur autonome. Parce que passer d'un milieu sécuritaire à un milieu où est-ce que tu n'as pas un chèque de paye qui rentre à chaque semaine, puis se donner à avoir le courage de faire le move. Dis là, c'est ça. Merci. Merci. Ton plus grand défi? Mais en fait, notre plus grand défi comme travailleur autonome, c'est toujours se renouveler, en fait, parce qu'on est aussi bon que notre dernière transaction hein, dans ce domaine-là. Donc, c'est de recommencer chaque fois et de se créer une belle banque de clients. Puis ces clients-là nous amènent souvent d'autres clients. Plus grande réussite de V-Nation? La plus grande réussite de V-Nation, c'est d'avoir un mentor aussi incroyable que Maxime Desjardins. Oh, c'est beau! Prenez-vous dans vos... La soirée continue. Merci d'avoir été avec nous. Alors, Point Inc, ça se poursuit toute la saison et dès la semaine prochaine sur Vaudreuil-Soulanges.tv. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux en attendant. Je vous dis bonne soirée.